Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. Allez, bismillah, on commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillahi nahmadu. Wa nasta'inuhu wa nasta'ghfiru. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui les enfants, on va parler des actes qu'il faut faire pour pouvoir rentrer au paradis. Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous a cité à plusieurs reprises, dans de nombreux versets, Allah azza wa jal nous a cité les œuvres des gens du paradis. C'est-à-dire que ceux qui ont été au paradis, ceux qui vont gagner le paradis, ils ont fait de bonnes actions. Et au dernier cours, on a vu la description du paradis. On a expliqué quelques ou certaines choses concernant le paradis. Et ça doit nous donner envie d'aller au paradis. Ça doit nous donner envie de gagner le paradis. Et une fois que nous avons l'envie d'accéder et de gagner au paradis, et de gagner le paradis, nous allons aujourd'hui, bi'idhnillah, voir quelles sont les actions des gens du paradis. Alors il y en a plein, mais nous allons en citer quelques-unes. Les premières des actions que nous citons, nous allons étudier deux versets dans la sourate Ali Imran. La sourate Ali Imran, c'est la sourate numéro 3. C'est la troisième sourate. Elle s'appelle Ali Imran, la famille de Imran. Et dans le Coran, comme vous le savez, il y a 114 sourates. Dans le Coran, il y a 114 sourates. Et la troisième sourate, qui fait partie des plus longues sourates du Coran, c'est la sourate Ali Imran. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans ces versets, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, وَسَارِعُوا, et accourez,
Précipitez-vous vers quoi? Vers un pardon de votre Seigneur. Et un paradis, Jannah, un paradis aussi large que les cieux et la terre. Et ce paradis, Allah Azza wa Jal, il l'a préparé pour les pieux. Ce paradis, il a été préparé pour les pieux. C'est-à-dire, comme on le verra, pour ceux qui craignent Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il nous donne des caractéristiques de ces personnes-là. Il nous dit ce que les gens du paradis ont fait pour accéder au paradis. الذين ينفقون في السراء والضراء. Ce sont ceux qui ont dépensé de leurs biens dans l'aisance et dans la difficulté. Et on expliquera ce terme-là, Inch'Allah. والكاظمين الغيظ. Ce sont ceux également qui retiennent leur colère. والعافين عن الناس. Ce sont ceux également qui pardonnent aux autres. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il aime ceux qui font le bien, les bienfaisants. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: Wallazina idha fa'alu fahisha aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils ont commis une mauvaise action, des mauvaises choses, ou ils ont été injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire ils ont désobéi à Allah Azza wa Jal, lorsqu'ils ont fait des péchés, ils se rappellent d'Allah. Ils se rappellent d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils demandent à Allah de leur pardonner leurs péchés. Ils demandent à Allah Azza wa Jal de lui pardonner leurs péchés. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Et qui d'autre pardonne les péchés en dehors d'Allah? وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et en plus, ces gens-là, les gens du paradis, ils ne persistent pas dans le mal. Donc là, on va s'arrêter sur chacun de ces points, on va s'arrêter sur chacun de ces points et on va en détailler certains. Alors la première qualité des gens du paradis, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « U'iddat lil muttaqin ». Le paradis, il a été préparé pour les pieux. Allah tabaraka wa ta'ala a préparé le paradis, a réservé le paradis pour qui? Pour al-muttaqoun, pour les pieux. Alors c'est qui les pieux? Les pieux, c'est ceux qui ont eu peur d'Allah Azza wa Jal. Parce que oui, on doit avoir peur d'Allah. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi je dois avoir peur d'Allah? Allah Azza wa Jal, il est gentil. Allah tabaraka wa ta'ala, il est miséricordieux. Il est doux, il est compatissant. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il est dur en châtiment. C'est-à-dire que celui ou celle d'entre nous qui n'obéit pas à Allah tabaraka wa ta'ala, qui désobéit à Allah azza wa jal, il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala le mette en enfer. C'est pour cela que nous devons avoir peur d'aller en enfer. Nous devons craindre Allah. Quand on dit on a peur d'Allah, ça veut dire on doit avoir peur qu'Allah il nous met en enfer. Et si tu vas avoir peur qu'Allah te met en enfer, ben qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas lui obéir et tu vas tout faire pour ne pas lui désobéir. Voilà c'est quoi la piété, la taqwa. La crainte d'Allah. La taqwa, c'est le fait de faire des bonnes actions et de ne pas faire des mauvaises actions. C'est le fait de mettre entre toi et le feu de l'enfer
une barrière, de mettre un bouclier. Et comment je mets ce bouclier? En faisant les bonnes actions. Et c'est pour cela, les enfants, qu'il est important de comprendre comment je dois adorer Allah. Je dois adorer Allah en craignant, en ayant peur qu'Allah n'accepte pas de moi et qu'il me mette en enfer. Et également, je dois adorer Allah en espérant le paradis. Donc, je vis entre la crainte et l'espoir. Je crains son châtiment et j'espère son paradis. La deuxième des caractéristiques, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous cite dans ce verset, الذين ينفقون في السراء والضراء. Ce sont ceux qui dépensent de leurs biens dans l'aisance et dans la difficulté. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'aisance et dans la difficulté? Ça veut dire que le musulman, il partage. Le musulman, il dépense de son argent, que ce soit lorsqu'il est riche et que ce soit même lorsqu'il est en difficulté, lorsqu'il est pauvre. Parce que, des fois, certaines personnes, ils sont riches, mais ils ne dépensent pas leur argent. Parce que tellement ils ont beaucoup de sous, tellement ils ont beaucoup de biens, et bien ils aiment beaucoup leurs biens. Ils aiment beaucoup leurs sous, et bien dans ce cas-là, ils ne veulent pas les partager. Et d'autres, lorsqu'ils sont pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ben, ils ne veulent pas partager aussi, parce qu'ils sont avares et ils pensent qu'ils en auront plus. Mais non, le musulman, peu importe la situation dans laquelle il est, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, le musulman, il partage. Si tu as beaucoup de sous, tu peux partager beaucoup de sous. Si tu as un peu de sous, tu partages ce que tu peux, mais le plus important, c'est de partager, de distribuer nos biens. Les biens qu'Allah Azza wa Jalil t'a donnés, tu les distribues. Et notamment avec les pauvres. Et c'est pour cela que le troisième pilier de l'islam, c'est la zakat. C'est la zakat. Le premier pilier de l'islam, c'est la shahada. Ash-shahadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, tu attestes que seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré, sans rien lui associer. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Le deuxième pilier de l'islam, c'est la prière. Le troisième pilier de l'islam, c'est la zakat. Le quatrième, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et le cinquième, c'est le hajj. Qu'est-ce que c'est que la zakat? Ben, tout simplement, les enfants, la zakat, c'est le fait de prendre l'argent des plus riches pour les donner aux plus pauvres. C'est ça la zakat, d'une manière générale. Prendre l'argent des plus riches pour les donner à ceux qui en ont besoin. Puisqu'il y a des gens qui ont besoin que on dépense de nos biens, que ce soit ceux qui sont très très pauvres, que ce soit ceux qui sont pauvres, mais moins pauvres que les premiers, et encore d'autres personnes qui ont besoin qu'eux, on les aide, notamment ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont dans le besoin, ils ont besoin que les musulmans leur donne de leur richesse. Et c'est pour cela que parmi les plus grandes sagesses de la zakat, c'est que si tout le monde, si tous les riches, ils donneraient de leur argent ou ils donneraient de leurs biens, eh bien il n'y aurait pas de pauvres. Il n'y aurait pas de famine.
parce que l'on trouve dans certains pays des enfants comme vous. Ils aiment ce que vous aimez. Ils ont les mêmes prénoms que vous, mais ils n'ont rien à manger. Et certains, ils meurent de faim. Certains, ils meurent de la famine, parce qu'ils n'ont tellement rien à manger qu'ils en meurent. Et ça, en réalité, Allah tabaraka wa ta'ala, il appelle tous ses serviteurs qui ont la possibilité, qui ont la capacité et qui sont dans la mesure de payer la zakat, de le faire. Et si chacun le ferait, Allah tabaraka wa ta'ala enlèverait la famine dans le monde. Et c'est pour cela que l'on voit parmi les grands bienfaits de la zakat, c'est cela. Et là on voit la beauté de l'islam, la beauté de la religion musulmane. C'est que la religion musulmane, elle est parfaite. Le Coran, il est parfait. Également, parmi les bienfaits de la zakat, c'est que la zakat, elle vient purifier notre argent. Tout comme la sadaqa. Lorsque tu dépenses pour Allah, lorsque tu dépenses pour Allah, sache qu'Allah tabaraka wa ta'ala te rendra quelque chose de meilleur. Tu ne seras jamais pauvre parce que tu as dépensé de tes biens. Alors si tu as des sous, tu peux dépenser de tes sous. Mais si tu as des jouets, tu peux aussi dépenser de tes jouets. Des fois quand tu es dans ta chambre, tu vois, masha'Allah, tous les jouets que tu as dans ta chambre. Eh bien n'hésite pas à en prendre une partie et à distribuer à ceux qui en ont besoin. Peut-être il y a des orphelins, ceux qui n'ont pas de parents. Peut-être il y a des pauvres, ils ont des parents mais leurs parents ne peuvent pas leur acheter des jouets. Eh bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à demander l'autorisation à vos parents et de distribuer. Distribuer autour de vous. Sachez également que le partage, que la sadaqa, en réalité, c'est toute bonne chose que tu vas faire. Quand tu vas conseiller quelqu'un, lui dire de faire du bien, l'interdire de faire du mal, eh bien ça, en réalité, c'est une sadaqa. Quand tu vas sourire, tu souris à tes parents, tu souris à tes frères et sœurs, eh bien c'est une sadaqa. Imagine, chaque sourire que tu fais, c'est une sadaqa. Donc là, à la maison, en période de confinement, tu dois avoir le sourire. Parce que certains, du matin au soir, ils boudent, ils font la tête, ils font des grimaces, ils froncent les sourcils. Ça, ce n'est pas le bon comportement du musulman. Le musulman, il doit sourire. Également, tu te dois d'être bon envers les autres. Que ce soit bien sûr tes parents. Tu te dois d'être bon envers tes parents. Que ce soit tes frères et sœurs. Également, les animaux qui sont à ta maison. Si tu as un petit chat, ou un grand chat aussi. Si tu as un lapin, si tu as une tortue, si tu as un petit oiseau, peu importe, tu dois être bon et tu ne dois pas les laisser mourir de faim. Et à chaque fois que tu vas les nourrir, Allah tabaraka wa ta'ala te récompensera. À chaque fois que tu nourris ton chat ou ton animal domestique, Allah tabaraka wa ta'ala te récompense. C'est pour cela, les enfants, il est très très important que chaque jour, on fait une sadaqa. Et chaque jour, on essaye d'aider quelqu'un. Puisque le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe, il nous dit que chaque matin, chaque jour, il y a un ange qui fait un appel. Un ange qui fait une invocation. Et l'ange, il dit,
Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Oh Allah, donne quelque chose à celui qui a dépensé. Donne quelque chose à celui qui a dépensé. Et l'ange, il dit quoi? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Oh Allah, ruine, enlève les biens de celui qui ne donne pas. Donc regarde, chaque jour de ta vie, tu essayes de faire une sadaqa. Tu essayes de faire une sadaqa. Et quand tu seras plus grand, bi'idhnillah, et que tu auras de l'argent, et ben chaque année, une fois par an, tu donneras la zakat, comme on l'a cité tout à l'heure. Également, parmi les bienfaits de la sadaqa, c'est que la sadaqa, elle éteint les péchés. Imagine, tu as vu comment l'eau, elle éteint le feu. S'il y a du feu, et que tu appelles les pompiers, est-ce que les pompiers vont venir souffler sur le feu? Non. Ils vont venir, ils vont prendre de l'eau, et ils vont éteindre le feu avec l'eau. Eh bien, si tu veux éteindre tes péchés, si tu veux être lavé de tes péchés, eh bien, multiplie les sadaqas. Également, comme on l'a vu dans le verset, dans Sourate Ali Imran, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala accorde le paradis à ceux qui dépensent de leurs biens. Celui qui fait beaucoup de sadaqa, Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde le paradis. Allah azza wa jal lui accorde le paradis. Et ça, les enfants, c'est un point important, c'est un point essentiel et capital. C'est que toute notre vie, nous faisons en sorte de faire des sadaqas, de multiplier les sadaqas. Et on sait qu'il y a même une porte du paradis qui s'appelle Babu Sadaqa. Donc là, aujourd'hui, on apprend une deuxième porte du paradis. Souvenez-vous, on avait appris, donc on avait vu qu'il y avait 8 portes au paradis. Et on avait vu également que parmi les portes du paradis, il y a Babu Rayyan, la porte de Rayyan, cette porte dans laquelle les jeûneurs entreront. Mais sachez qu'il y a une porte aussi qui s'appelle Babu Salah, la porte de la prière. Celui qui fait convenablement ses prières et qui prie même les prières en plus, celui qui aime la prière, son cœur est accroché à la prière. Il est content lorsqu'il se lève pour faire la prière. Et c'est comme ça que l'on doit être. On doit être content quand nos parents nous disent « Allez, c'est l'heure de la prière. Tu ne dois pas souffler. » « Oh, oui, mais c'est long la prière. Oui, mais j'étais en train de regarder un dessin animé. Oui, mais j'étais en train de jouer. Oui, mais ceci, oui, mais cela. » Non, tu dois être heureux de faire la prière. Tu dois accueillir la prière avec le sourire, avec un visage joyeux. Voilà le comportement du musulman. Ton cœur doit être accroché à la prière. Et si ton cœur est accroché à la prière, toute ta vie, tu rentreras par la porte de la prière. Babu Salah. Également, il y a une porte qui s'appelle Babu Sadaqa, la porte de la sadaqa, pour ceux qui ont multiplié les sadaqas. Également, parmi les bonnes actions, qui sont une grande cause de nous faire entrer au paradis, les enfants, c'est de prêter. Quand quelqu'un te demande de te prêter quelque chose, prête-lui. Si quelqu'un te demande de lui prêter des sous, tu lui prêtes. Si quelqu'un te demande de lui prêter quelque chose, bien sûr, tu demandes l'autorisation de tes parents, à tes parents. Mais il est important de prêter. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle d'un homme. Un homme qui rentrera au paradis
et cet homme il verra inscrit sur la porte du paradis. La sadaqa que tu fais, elle est multipliée par 10. Imagine, tu vois un miskin, un pauvre dans la rue, et tu lui donnes 1 euro. Eh bien, c'est multiplié par 10, c'est comme si tu avais donné 10 euros. Et si avec ton cœur, tu as donné cette sadaqa vraiment pour aller au paradis, vraiment pour qu'Allah Azza wa Jal il soit satisfait de toi, si tu as donné cette sadaqa parce que tu sais qu'Allah te voit, parce que tu sais qu'Allah t'entend, parce que tu sais que tu retrouveras cela au paradis, peut-être ta sadaqa, elle sera multipliée par plus que 10, même par des centaines, par 700, voire plus encore. Et si tu prêtes quelque chose à quelqu'un, ce sera multiplié par 18. Parce que prêter quelque chose, c'est encore plus important que de faire une sadaqa. Parce que prêter, tu vas prêter vraiment à une personne qui en a besoin. Et si une personne, elle vient, elle te dit, s'il te plaît, j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de cela, etc. Et que tu lui prêtes, Allah, tabaraka wa ta'ala, il va multiplier cela par 18. Ensuite, Allah, tabaraka wa ta'ala, nous cite dans le verset, « Wal-kazimin al-ghayz. Wal-kazimin » Al-Ghayz. Également, ceux qui maîtrisent leur colère. Et ça, Inch'Allah, c'est important, les enfants, pour celui qui le souhaite, d'apprendre ces versets. C'est le verset numéro 133, 134 et 135 de la sourate numéro 3. Ils sont très faciles à apprendre. Ils font même pas 3 ou 4 lignes. Et si tu apprends ces versets, tu te souviendras des actes qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a cités dans ce verset pour pouvoir aller au paradis. Et parmi les actions qu'Allah azza wa jalla a citées dans ce verset, des actes qui sont une cause de notre entrée au paradis, al-kadhimin, al-ghayz. Ceux qui maîtrisent leur colère. Ceux qui retiennent leur colère. C'est-à-dire que des fois dans ta vie, il y a des situations qui vont t'angoisser, qui vont t'énerver. Tu seras énervé. Et même des fois, à juste titre, des fois il y a des gens qui vont te faire du mal, qui vont avoir un mauvais comportement envers toi, qui vont être injustes envers toi. Et à ce moment-là, tu as la possibilité de t'énerver. Mais tu te calmes. Tu maîtrises ta colère. Tu ne t'emportes pas. Tu ne te laisses pas avoir par la colère. Eh bien, si tu maîtrises ta colère, tu rentreras au paradis. Si tu maîtrises ta colère, cela sera une grande cause de ton entrée au paradis. Et là, il est important, les enfants, j'allais vous appeler les savants, et je demande à Allah Azza wa Jal de faire de vous des savants de la communauté musulmane. Amin. Les enfants, il est important de savoir comment je dois maîtriser ma colère. Parce que certains d'entre vous, des fois, ils ont un mauvais comportement à la maison. Ils se mettent en colère sur leur papa. Ils se mettent en colère sur leur maman. Ils se mettent en colère sur leurs frères et sœurs. Ils se mettent en colère dans leur chambre, etc. Et ça, ce n'est pas le comportement du musulman. Ce n'est pas le comportement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement du musulman, c'est de se calmer. Alors comment, vous allez me dire, oui, mais c'est dur quand je suis énervé, j'ai une boule dans le ventre, je serre mes poings, et ça y est, je dis des mauvaises choses. Alors on va vous donner quelques conseils pour maîtriser votre colère. Et je vous promets
les enfants, que celui qui respecte ces conseils, il ne se mettra plus jamais en colère de sa vie. Mais celui qui ne les respecte pas, automatiquement, eh ben, il va se mettre en colère parce qu'il n'aura pas respecté les recommandations de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors d'abord, sachez les enfants que la colère, elle provient de Shaitan. C'est pour cela que lorsque tu te mets en colère, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de te protéger contre le shaitan. Et un jour, il y a un homme qui a embêté un autre homme. Et ils ont commencé à se disputer. Ils ont commencé même à s'insulter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus. Et il y en a un qui s'est mis en colère. Il s'est tellement mis en colère que son visage est devenu rouge. Ses veines étaient tendues. Alors le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, j'en connais un, que s'il dit une parole, ça va le calmer. S'il dit, a'udhu billah, minash shaitani rajim, s'il dit cette parole, il va se calmer. Donc regardez les enfants, lorsque nous sommes en colère, on dit, a'udhu billah, minash shaitani rajim. Également, lorsque tu sens que la colère arrive, tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Tu demandes à Allah, tabaraka wa ta'ala, de te protéger contre le shaitan. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Iza ghadiba ahadukum falyaskut ». Lorsque l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. Lorsque tu es en colère, lorsque tu sens que la colère, elle arrive, ne prononce aucune parole, ne dis rien, tais-toi. Oskot, osmot, ça, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Pourquoi? Parce que les savants, ils ont décrit la colère, ils ont dit أوله جنون وآخره ندم. Le début de la colère, c'est de la folie. Le début de la colère, c'est de la folie. Et c'est vrai, quand tu regardes quelqu'un qui se met en colère, bah, tu as l'impression que c'est un fou. Il fait des grimaces. Il serre ses poings. Il devient tout rouge. Il saute tout seul, il est excité tout seul. Toi, si tu le regardes, tu dis, mais il est bizarre cette personne. La même chose, toi, quand tu es en colère, ben regarde-toi dans le miroir. Tu vas voir à quel point tu es moche. Parce que quand on se met en colère, on est moche. On devient tout rouge. Nos yeux se mettent tout rouges. On est serré. Également, quand tu es en colère, ben en fait, c'est comme si tu étais fou. Et un fou, ben il ne sait pas ce qu'il dit. Donc, si tu es en colère, tu risques de dire de très graves paroles, de très mauvaises paroles. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas regretter. Tu vas dire, pourquoi j'ai dit ça? Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Tu vas devoir t'excuser, etc. أوله جنون وآخره ندم. Le début de la colère, c'est de la folie. Et sa fin, c'est que des regrets. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wasalam, il nous a dit que lorsque on se met en colère,
on se tait. Si tu te tais, tu vas te protéger de toutes les mauvaises paroles. Mais si tu ne te tais pas, si tu n'écoutes pas le prophète, alayhi salatu wasalam, eh bien peut-être tu vas dire des choses graves, des choses qu'Allah Azza wa Jal déteste, des choses qui pourront te faire peut-être sortir de l'islam. Ou tu vas peut-être dire des insultes, des injures, des gros mots, des mensonges. Tu vas peut-être faire du tort à quelqu'un que tu aimes, etc. Donc les enfants, retenez. Lorsque je me mets en colère, je me tais. Je ne dis rien. Je ne crie pas. Je ne parle pas. Je me tais. Également, lorsque nous sommes en colère, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a demandé de rester calme. Et le meilleur moyen de rester calme, c'est de t'asseoir. Lorsque tu es en colère, ne reste pas debout. Parce que si quelqu'un te met en colère et tu es debout, et ta tête est contre sa tête, et ta main est proche de lui, ben tu risques de te disputer, tu risques de le frapper. Alors que non, si quelqu'un te met en colère, tu t'assois. Si ton frère ou ta sœur te met en colère, tu t'assois. Et quand tu seras plus grand et que tu auras des enfants, la même chose. Si ton enfant te met en colère, ça arrive que les enfants mettent en colère les parents. Bon, ça arrive souvent, hein, des fois. Mais le parent, toi quand tu seras parent, tu ne dois pas crier, hurler et rester devant parce que tu risques de frapper l'enfant. Et le musulman, il ne frappe pas ses enfants. Le musulman, il ne frappe pas ses enfants. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne frappait pas les enfants. Alors, si ton enfant te met en colère, eh bien, tu t'assois. Et si tu es encore en colère, eh bien, tu t'allonges. Oui, tu t'allonges jusqu'à ce que la colère va partir. Et c'est ce qui s'est passé avec Abu Dharr. Abu Dharr el-Ghifari. Et souvenez-vous, on avait déjà cité Abu Dharr el-Ghifari. Abu Dharr, radiyallahu anhu, il avait des bêtes. Il avait des chameaux ou il avait des bêtes et il avait préparé un bassin pour pouvoir leur donner à boire. Mais Abu Dharr, il avait besoin d'aide. Il avait besoin que quelqu'un l'aide. Alors il regarde ses amis, ses compagnons et il leur dit, est-ce que quelqu'un veut avoir la récompense de la part d'Allah et venir m'aider à donner à boire aux animaux? Et souvenez-vous, on avait dit au début de ce cours, on avait cité que celui qui donne à boire ou à manger aux animaux, il sera récompensé. Alors un homme, il a dit oui, moi je veux bien avoir la récompense. Alors l'homme, il a ramené les bêtes jusqu'à l'abreuvoir, mais vous savez ce qu'il a fait? Il l'a mal fait et il l'a cassé. Il a cassé l'abreuvoir. Lui, il ne savait pas comment faire, mais il a voulu bien faire. Et ça arrive des fois. Des fois, on ne sait pas faire quelque chose, on essaye, on le fait mal. Alors Abu Dharr, qu'est-ce qu'il a fait? Abu Dharr, il s'est assis. Et ensuite, il s'est couché. Il s'est allongé par terre. Alors les gens, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, eh, Abu Dharr, pourquoi tu as fait ça? Il a cassé ton bassin et au lieu de lui dire quelque chose, tu t'assois et ensuite tu t'allonges. Alors Abu Dharr, radiyallahu anhu, il dit, c'est parce que
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque quelqu'un se met en colère, qu'il s'assoie, sinon il s'allonge. Et à ce moment-là, Abu Dhar, il était fort en colère. Quand il a vu que l'homme, il a cassé son bassin, il était fort en colère. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Abu Dhar? Il a respecté la parole de notre noble prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est assis. Et lorsqu'il était assis, il était encore en colère. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est allongé jusqu'à ce que la colère cesse. Également, le fait de contrôler sa colère est un des meilleurs moyens pour avoir le paradis. Un jour, un homme est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui a dit, ô messager d'Allah, awsini, donne-moi un conseil. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la tardab, ne t'énerve pas. Ensuite, l'homme, il a dit, donne-moi encore un conseil. Il a dit, la tardab, ne t'énerve pas. Ensuite, il a dit, donne-moi encore un conseil. La tardab, ne t'énerve pas. Ensuite, il lui a dit, donne-moi encore un conseil, etc. À chaque fois, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lui disait, la tardab, ne t'énerve pas. Et dans un autre hadith, il dit, la tardab, walaka al-jannah, ne t'énerve pas et tu gagneras le paradis. Ne t'énerve pas et tu gagneras le paradis. C'est pour cela, les enfants, à chaque fois que nous nous mettons en colère, nous devons absolument se souvenir de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, il est important que le musulman se maîtrise. C'est pas dès que quelqu'un t'énerve, ça y est, tu te mets dans un état pas possible, tu dis des gros mots, tu l'insultes, tu le frappes, etc. Tu désobéis à tes parents, non. Parce qu'en réalité, le fort, le champion, c'est qui le champion? C'est pas celui qui sait se battre. C'est pas celui qui arrive à mettre son adversaire par terre. Mais le champion, le fort, c'est qui? C'est celui qui maîtrise sa colère. Laysa shadidu bis-sur'a. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, l'homme fort, c'est pas celui qui met son adversaire par terre. Innama shadidu huwa alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Mais l'homme fort, c'est celui qui arrive à maîtriser sa colère, à maîtriser sa personne lorsqu'il est en colère. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, est passé, et il y avait un homme qui faisait de la lutte. Et cet homme, il mettait son adversaire par terre. Et ensuite, il mettait tout le monde par terre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, « Man hadha ?» Qui est cette personne? Ils ont dit, lui, c'est un champion, c'est un lutteur, c'est quelqu'un qui est invincible, personne n'arrive à le battre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce que vous voulez que je vous dise quelle personne est meilleure que lui et plus fort que lui, plus fort que ce champion? Il a dit, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il se met en colère, lorsqu'il se met en colère, il maîtrise sa colère. Il maîtrise sa colère. Et les enfants, nous terminons par un dernier point qui va nous aider à maîtriser notre colère. C'est qu'à chaque fois que nous nous mettons en colère, nous devons nous souvenir que nous sommes musulmans et que le musulman, il suit l'exemple du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est notre exemple.
c'est notre modèle. Nos exemples, ce ne sont pas ce que l'on voit à la télé. Nos exemples, ce ne sont pas les joueurs de football, ou les joueurs de basketball, ou les chanteurs ou les chanteuses, ou ceux qui font des films ou des séries. Ce ne sont pas eux nos exemples, mais notre exemple, nos exemples, ce sont les prophètes. Et notre exemple, c'est le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marchait et il avait un manteau sur lui avec une grosse bordure, une grosse brodure, comme un grand col, on va dire. Et là, il y a un bédouin. Un bédouin, c'est quelqu'un qui habitait dans le désert. Et il est connu que les bédouins qui habitent dans le désert, ils sont durs, ils sont rudes. Et le bédouin, il a attrapé le manteau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a attrapé brutalement jusqu'à ce qu'il a laissé des traces rouge sur l'épaule du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, il a attrapé le prophète alayhi salatu wa sallam et il lui a dit, rends-moi les choses que tu me devais. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a souri, alors que la personne a mal agi avec lui. Il a souri envers lui. Et il s'est retourné. Il a souri. Et il a dit, donnez-lui ce qu'il demande. Donc là, on voit le comportement de notre noble prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et nous devons maîtriser notre colère afin de gagner le paradis. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ça va être la prière du Asar. Alors est-ce que Bilal il est là? L'autre jour j'avais demandé à Bilal mais je ne l'entendais pas. Alors j'ai demandé à Bilal. Bilal il est là? Ok. Alors Bilal, tu vas pouvoir nous faire l'adhan. Alors attends. Hein. Tu es prêt? Vas-y, on t'écoute. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu anna ilaha illallah. Ashhadu anna ilaha illallah. نشهد أن محمدا رسول الله حي يا رسول الله حي يا رفاح قد قامت صلاة قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بارك الله فيك بلال. Alors une petite précision. Malim. Oui. Malim. Une petite précision les enfants dans l'adhan. Alors on répète deux fois. Alors on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soit on le dit deux fois ou soit on le dit quatre fois. Ensuite, Ashhadu an la ilaha illallah. On le dit deux fois. Ashhadu an la ilaha illallah. Ensuite, on dit deux fois. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Ensuite on dit deux fois حي على الصلاة et on dit pas صلاة non c'est un ها à la fin حي على الصلاة. Ensuite, on dit deux fois
حي على الفلاح حي على الفلاح. Et dans l'adhan, on ne dit pas قد قامت الصلاة. Ça, c'est pour l'iqama, juste avant de prier. Dans l'adhan, on ne dit pas قد قامت الصلاة. Et ensuite, on dit الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. D'accord, les enfants? Donc, c'est important que tous les enfants sachent faire l'adhan et de le faire à la maison avant chaque prière. Voilà les enfants, donc on va dire l'invocation après l'adhan et vous pourrez aller prier la prière du Dhuhr. Allahumma salli ala du Asar, pardon, la prière du Asar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ensuite, on dit Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wa salati al-qa'imah ati Muhammada al-wasila wal-fadila وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Et ensuite, après l'adhan, on peut faire beaucoup d'invocations, puisque les invocations, elles sont acceptées après l'adhan. Voilà les enfants, barakallahu fikoum. Je souhaite un bon courage à ceux d'entre vous qui ont jeûné. Continuez comme ça. Et pour ceux qui sont encore jeunes et qui ne jeûnent pas, faites beaucoup de bonnes actions. Et n'oubliez pas que nous sommes dans le mois du Coran. Lisez beaucoup le Coran. Salam alaikum.